Hey matelot, ici Defroid et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour faire cette maison en zigzag sur Minecraft. Voilà, donc c'est une maison avec un concept assez sympathique, assez original, hein, de prendre une maison en forme de triangle un peu et de la faire en zigzag sur de la longueur. Donc voilà, c'est une maison de plein pied, moi j'aime bien les maisons comme ça. Et voilà, avec quelques astuces de décoration des jardins. Alors le jardin du coup il est assez intéressant puisqu'on peut le faire de chaque côté en fait, il peut y avoir deux terrasses comme ça. Et voilà, donc c'est un jardin coupé en deux finalement. Donc pourquoi pas? Donc voilà, je vais vous présenter le tutoriel pour réaliser cette maison là tout de suite. Alors, il va falloir faire juste attention à deux trucs. Vous pouvez faire n'importe quelle hauteur en fait de triangle en fait, cette espèce de triangle de façade que j'ai mis ici. Là, je l'ai mis à 7 blocs de hauteur. Donc voilà, vous faites 7 blocs comme ça avec des escaliers. Enfin, il n'y a pas de blocs au niveau du sommet, il y a deux blocs d'escalier au niveau du sommet. Voilà. Et après, donc je l'ai fait en fonction. Après, j'ai fait le zigzag en fonction de la taille que je voulais faire à la maison. Mais si vous voulez faire une maison beaucoup plus grande avec des étages et faire par exemple une à 14 blocs de hauteur, eh bien, votre zigzag ici devrait être beaucoup plus allongé finalement, pour que l'effet soit à peu près le même. Vous voyez? Donc là, il faut faire juste attention à ça. Et le deuxième petit détail en fait, c'est que vous allez voir que on va pas faire que des comment dire, des. Enfin, vous allez voir tout de suite. Je vais vous faire ça quand on sera arrivé à là. Donc, 7 blocs de hauteur, je disais. Là, j'ai commencé à faire un truc ici. J'en rêve. Alors, en façade, du coup, vous voyez, il y a bien 7 blocs de hauteur. Alors là, je suis à 3, 4, 5, 6 et 7. Et en façade, du coup, il y a 3 couches. En fait, je vais enlever les shaders quand même. Ça sera différent. Il y aura 3 couches, c'est-à-dire une couche d'escalier à l'endroit par le dessus, un bloc plein au milieu. Et par le dessous, en fait, on va rajouter des escaliers à l'envers pour pouvoir affiner la chose. Mais ça, c'est juste en façade, hein, en façade du bâtiment, c'est-à-dire cette façade-là ou l'autre côté. Mais en fait, à l'intérieur de la maison, on ne va faire que deux couches en fait. On va faire juste l'escalier à l'endroit et l'escalier à l'envers juste derrière. On va enlever le bloc qui sert d'intermédiaire entre les deux. Pour une raison assez simple en fait. Enfin, on va garder quand même le bloc à l'envers à l'intérieur pour que, vous voyez, on n'ait pas de trou à ce niveau-là. Vous voyez, là j'ai un trou en fait dans la toiture parce que au niveau de l'intérieur, vous voyez que là, il y a l'escalier qui n'est pas mis. Donc du coup, je les mets à ce niveau-là, mais comme il y a des décalages un peu partout, un peu tout le temps, pour avoir une cohérence au niveau de l'intérieur de la maison, on va mettre des escaliers à l'envers vraiment partout, parce que sinon, ça ferait des trucs un peu bizarres. Voilà. Ceci étant dit, du coup, on va passer à comment faire le zigzag ici, tout simplement. Alors, le zigzag, il va falloir que, faut savoir que le sommet de la maison est vraiment de deux blocs, en fait, de large. Et donc, les escaliers que j'ai mis ici, là, devront être complétés par des escaliers de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Là, pour le coup, je les ai mis simples pour pouvoir les compter plus facilement. Donc, au niveau du sommet, on va prendre une façade, en fait, de la maison, et on va compter trois blocs, en fait, en partant du bout ici. Trois blocs d'escalier comme ça. Après, on fait un décalage vers le côté que vous voulez. Et on fait re-trois blocs. On refait un décalage, on en fait quatre. Voilà. On refait un décalage, mais de l'autre côté cette fois-ci, histoire d'avoir un effet de serpentin un peu, comme ça. Deux, trois blocs. Après, deux blocs vers l'intérieur. Après, deux blocs de 1. Après, re-de 2. 3 de 5, cette fois-ci. Alors, les deux sont pas symétriques, hein, parce que je n'ai pas voulu faire symétrique. Voilà, c'est tout. Vous pouvez faire symétrique si vous voulez, hein, pas de souci. Après, un bloc de 3 et un bloc de 2. Vous voyez, si j'avais voulu faire symétrique, j'aurais juste enlevé un à celui-là et j'aurais rajouté un ici. Mais voilà, peut-être faire ça si vous voulez. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, on a notre ligne ici. Enfin, c'est pas vraiment une ligne, mais plutôt une courbe, on va dire. Et maintenant, bah, du coup, on va tout simplement, hop, faire des escaliers comme ça sur toute la longueur du bâtiment.
Et ici aussi derrière, alors je vais le rajouter tout de suite, cette couche-là d'escalier. Pouf, 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 pouf. Voilà, et après, bah, tout simplement, il suffit de mettre les escaliers comme ça. Moi, je vais faire que le premier cran, enfin, les quelques premiers crans, et puis je compléterai hors caméra, puisqu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, hein, pour le coup, c'est juste du remplissage après. Et on passera tout de suite aux décorations, aux petits éléments de décoration. Donc ici, comme je disais, il faut faire gaffe et mettre des escaliers à l'envers aussi. Hop. Hop. Du moins sur les. Sur les. Dès qu'il y a un décalage en fait, parce que sinon il y a des trous. Et c'est pas terrible, ça fait des courants d'air après. Tu chopes la chiasse, tout ça, c'est pas terrible. Donc. Hop, on se met ici. Ce serait quand même assez bizarre d'avoir un mode comme ça qui rend malade sur Minecraft avec les effets et tout. Je donne peut-être de mauvaises idées à certains. Oui, bon, bref, je vais retourner au tuto quand même parce que là. Je me déconcentre un petit peu. Donc voilà, c'est tout simple comme ça, vous faites toute la longueur comme ça. À pas oublier évidemment, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, de mettre aussi les escaliers à l'envers. Hop. Pour pouvoir avoir un aspect à l'intérieur de la maison qui est assez sympa. Vous voyez, c'est quand même mieux que l'espèce de rangée de l'escalier à l'envers qu'il y avait au début. Voilà, de chaque côté, tant qu'à faire. Alors, il va y avoir une petite particularité au niveau de la façade, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire que on va mettre un mur en bois. Alors moi j'ai pris du bois, mais on peut évidemment en prendre autre chose. Et on va combler ici toute la façade. Hop, sauf que vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème. Hop, vas-y. C'est que au niveau de l'intérieur de la maison, ça fait quelque chose de pas très très joli. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des trous à ce niveau-là. Donc, bah, on enlève tout simplement les blocs d'escalier qui gênent. Hein. Pouf, 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 pouf. Voilà. Oui, et du coup, au niveau de l'intérieur, ça fait quelque chose de plus propre que tout à l'heure, hein, quand même. Voilà. Donc, du coup, maintenant, comme on a deux blocs de large, en fait, au niveau du sommet, on peut aligner la porte, en fait. On peut mettre une porte qui soit alignée avec le haut. C'est ça la petite astuce, hein, de pourquoi est-ce que j'ai fait un truc impair. Hop. Pair, plutôt. Parce que, voilà. Et donc, voilà. Du coup, là, je fais le début du parquet. Mais voilà. Du coup. On va peut-être mettre les portes. Moi j'ai mis des portes en bois blanc. Alors oui, c'est vrai que d'habitude je prends mon pack de texture, le pack de texture par défaut pour faire les tutoriels. Là pour le coup, il n'y a aucune différence par rapport au pack entre mon pack et le pack par défaut. Il n'y a pas de dénaturation des blocs. Donc ça passe. Donc voilà, je fais tout le long de la petite maison en zigzag là et je vous reprends pour les dernières petites astuces de déco. Et heureux. Donc, on va commencer par mettre les terrasses maintenant de chaque côté du bâtiment et on fera les restes en fait après. Donc, pour les terrasses en fait, on peut faire une forme un peu comme on veut finalement puisque on va là, enfin là, je vais vous proposer une forme arrondie, mais évidemment, vous pouvez adapter à votre sauce. Donc, je suis parti vraiment du bord pour faire 4 blocs de large et on atterrit en fait quelque part où on veut en fait. Moi, je vais atterrir quelque part par là. Donc, bah, je vais essayer de m'aligner en fait. Vous voyez que là et là, je suis sur la même longueur le même coordonnée. Au final, je sais pas lesquelles d'ailleurs. On s'en fout un peu. Voilà. Donc là, je suis à la même hauteur et en fait, on va faire un symétrique d'arrondi l'un par rapport à l'autre. Donc là, on faut déjà dégager là où, enfin le milieu en fait. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc il y a un bloc de milieu. Ça fait 9 de chaque côté plus 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là c'est le milieu. Ok. Donc là le milieu, par exemple, on a envie que la terrasse aille jusque là, par exemple.
Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, jusque là peut-être. Et on va tout simplement creuser dans le sol une forme comme ça qui va permettre de faire une forme arrondie. Alors là, par exemple, j'ai fait une forme arrondie, mais ça pourrait être un peu mieux fait. Hop. Voilà, ça pourrait être un truc comme ça, par exemple. Hop. Alors, donc, du coup, mon bloc de milieu, il est ici. Il suffit de faire la même chose de chaque côté. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris à partir du bloc ici, donc 4 blocs à ce niveau-là, un décalage de 3, un décalage de 1, un redécalage de 1, un décalage mais de 2 mais dans l'autre sens, et après donc 4 blocs ici. Donc on refait la même chose de l'autre côté, hein, donc 1, 2, 3, 4, pour reprendre les 4 blocs, plus les 2 de 1, et le bloc de 3. Et pouf, on arrive pile au bon truc. Avec un bloc de décalage peut-être. Enfin bon, voilà, on a une bonne forme, donc on va la garder. Hop. On enlève tout ça et on va creuser. Enfin, on peut mettre une piscine, mais bon, là, je me mettrai tout à l'heure. On va tout simplement mettre des comment ça s'appelle? Le plancher en fait, finalement, le plancher de la terrasse en bois blanc. Hop, j'ai voulu alterner en fait les couleurs de bois, comme je fais assez souvent d'ailleurs, le bois un peu foncé comme ça, le bois de sapin, avec le bois de bouleau, que moi j'ai gardé en le mon jeu en français, mais enfin en anglais, mais c'est la même chose. Voilà, tout simplement on remplit la surface. Peut-être utiliser. Voilà, where is it pour aller plus vite. Voilà, donc maintenant on va aménager vite fait cette petite terrasse, puisqu'en fait j'ai fait la terrasse avant de faire vraiment les décorations dans la maison, parce que on va faire les décorations de la maison en fonction de la place de la terrasse. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur le modèle, bien j'ai fait l'entrée de la terrasse, non pas en fonction de la maison elle-même. Par exemple, ici, là, on aurait pu la faire venir jusqu'ici, l'entrée. Sauf que du coup, ce serait pas aligné avec le milieu de la terrasse. Or, c'est vraiment aligné avec le milieu de la terrasse qu'on veut être. Donc, du coup, on va prendre les demi-blocs de sapin ou les demi-blocs de bois de la couleur dont vous avez fait le toit. Et on va prendre 3 blocs et demi de hauteur. Hop, donc 1, 2, 3. Et on va mettre des demi-blocs à cette hauteur-là. Donc, vous voyez, hein, vous avez 3 blocs de hauteur sous l'espèce de toit de demi-bloc ici, comme ça. Hop, vous faites prolonger ici sur une longueur combien j'avais fait? Ouais, c'est ça. Sur une longueur hop, ici donc de 4 blocs et de l'autre de 3. Voilà, histoire d'être aligné avec avec ce niveau-là en fait de la maison. Hop. On enlève donc du coup tous les blocs ici. Là aussi pareil. Ah oui, alors du coup je l'ai pas dit, mais j'ai fait le plancher de l'intérieur de la maison aussi pour gagner du temps. Voilà, donc maintenant on a notre ouverture, on va tout simplement combler les trous. Hop, à ce niveau-là pour faire compléter pour compléter les murs en fait. Hop, ouais, je vais même rajouter une couche. On fait ça de chaque côté. Voilà, on enlève même ici, histoire de compléter un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre un mur. À ce niveau-là, on va mettre un mur en bois blanc. On va laisser une ouverture de 2 blocs sur le côté, comme ça. On va mettre une fenêtre ici. Et on va compléter avec des vitres hein, classiques. Des vitres classiques pour la fenêtre et des vitres blanches pour le dessus de la porte. Qui va être ici du coup. Hop. Donc les portes, je vais prendre les mêmes à chaque fois pour tout le long de la maison. Hop, ici comme ça. Histoire d'avoir quelque chose de cohérent finalement. Hein, histoire de ne pas avoir des portes différentes à chaque fois. Ça pourrait être un peu bizarre.
Alors, sinon, du coup, au niveau des piliers en bois, oui, d'accord, je l'avais fait en bois normal. Hop, donc des piliers en bois normaux sur les côtés à ce niveau-là. Et talin, on a notre joli petit préau à ce niveau-là. Et puis voilà. Donc du coup maintenant, on va, pour rester sur cette façade-là de la maison, mettre un Velux. Parce que... Donc, on va prendre les blocs de vitre pleins. Et pas les blocs de glace panel. De panne, plutôt. On va creuser à ce niveau-là. Vous voyez, on va faire un trou de 2, ou du coup à partir de 2 blocs de hauteur, et on va compléter ici comme ça avec des blocs de vitre. On va mettre comme ça un truc au-dessus, comme ça, voilà, parce que c'est stylé, je trouve. Comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui se rabat en fait sur la fenêtre. Voilà. Histoire de montrer quelque chose. Voilà. Donc, maintenant pour le reste de la petite déco de la maison, on va mettre une cheminée en fait. Parce que voilà, c'est rigolo les cheminées. Enfin, voilà. On va dire que c'est rigolo les cheminées. Ça fait de la déco en tout cas. Voilà. Donc on va prendre les cheminées. On va les mettre à ce niveau-là de la maison. Par exemple, hein, parce que là on a 2 blocs de large en fait. Donc du coup, on va faire une cheminée de 2 blocs de large aussi. Ça va passer plutôt bien. Alors que c'est vrai que si vous le faites à ce niveau-là, la cheminée, bah faudra creuser un peu plus à l'intérieur de la maison en fait pour voir que la cheminée passe bien finalement. C'est pas bien méchant, mais bon. On peut mettre aussi la cheminée vraiment sur le côté de la maison, histoire que de la faire ressortir un peu plus. C'est selon les goûts. Voilà, moi je l'ai fait bien au centre pour qu'en fait ça fasse qu'une petite cheminée finalement. Et que ça soit juste un espèce de détail dans la construction, plus que vraiment un élément central, quoi. Mais on peut en faire un élément central, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour la maison en elle-même. Et maintenant on va passer à la terrasse en elle-même. Donc là, il n'y a pas grand-chose en fait au niveau de la terrasse. Là, j'ai fait un espèce de petit barbecue et quelques aménagements avec des fleurs. Donc voilà, je vais faire rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à. J'ai pas utilisé des astuces complètement dingues, je vous avouerai. C'est vrai que le jardin en lui-même, il a une forme assez bizarre, mais finalement, ça passe bien. Hop, on va faire un petit parasol ultra simple, hein, encore une fois, c'est-à-dire avec des ficelles, du tapis et des barrières de bois. Hop. Comme ça, donc on pose les ficelles dans les airs, on met les tapis par-dessus. Voilà. Pouf. Pouf. Je vais enlever cela quand même. Et je vais faire les transats avec voilà, des escaliers et des demi-blocs de bois vraiment sombre. Je sais pas comment ce que. Dark Oak. Le chêne sombre. Je sais pas. Je sais pas comment ça se dit en français le bois de cette couleur-là, honnêtement. Donc bon. Voilà. Et donc sur la terrasse, j'ai rajouté un petit barbecue. Hop. Donc là, c'est de la netherrack. Bon, je sais qu'avec mon pack de textures, elle a une tronche très bizarre, ma netherrack. Mais enfin bon. Ouvrez vos chakras, vous y verrez de la netherrack. Hop. Pouf. Donc là, voilà, je fais vraiment le tour avec les escaliers. En cobble, hein, parce que pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Et sur le dessus ici comme ça, voilà, on va faire une espèce de rangée d'escaliers à l'envers. On va mettre des rails pour faire un peu le grill du machin. Voilà, et on peut rajouter des demi-blocs sur le côté pour allonger un peu le barbecue. Voilà. C'est très simple, il y a beaucoup plus élaboré, je ferai sûrement un tutoriel sur pas sur les barbecues à proprement parler, mais sur les décorations qu'on peut mettre à l'extérieur. Et je ferai des barbecues beaucoup plus élaborés que ça.
Là, pour le coup, voilà, c'est juste histoire de mettre un petit peu de décoration. Donc, l'idée, en fait, c'est que maintenant, je vais aménager cette partie-là du jardin et je vais le faire courber, là aussi, histoire de garder un peu la forme du terrain à peu près normal, si vous voulez. Et du coup, je vais mettre des blocs de végétation, comme ça, espacés de deux blocs à chaque fois. Et je vais essayer de dessiner une courbe, une espèce de petite courbe, pouf. Et me recaler à ce niveau-là, donc un truc un peu comme ça, vous voyez, donc ça fait ouais, ça fait une courbe comme ça, et on va mettre des hauteurs de feuilles de plus en plus haut, en fait, histoire d'avoir comment dire, comme une courbe à partir du haut des feuilles qui s'efface petit à petit et qui rejoignent en fait le reste de la forme du terrain de la terrasse finalement. Vous voyez, ça fait une courbe un peu comme ça. Hop, après ça reprend les feuilles qui montent et après qui reprend un peu la forme du toit, vous voyez, visuellement tout du moins, parce que après évidemment les blocs sont pas connectés, mais visuellement ça donne un peu un aspect comme ça, un aspect tout lisse finalement, avec qui prend en compte la forme de la terrasse, la forme de la maison et la forme du terrain en lui-même, histoire d'avoir un peu de cohérence finalement au niveau du tout. Et donc on va faire les blocs à ce niveau-là, de 3 blocs de hauteur, ici de 2, et on va mettre 3 blocs de 1 finalement de hauteur. On peut mettre 2, 3 par exemple, 3, 2, 2 plutôt, voilà. Donc bah voilà, sinon quelques petites astuces de décoration supplémentaires assez rapido à mettre, que vous connaissez déjà puisque je les utilise assez régulièrement sur ma chaîne. Hop, c'est-à-dire des cannes à sucre, on les aime, elles sont belles, elles sont bien. Voilà, des fleurs hautes en arrière-plan et des fleurs plus petites par devant. Alors ouais, elles sont par là, les bleues par exemple. Voilà, donc un petit truc comme ça. Donc voilà, c'est ce jardin que je fais assez souvent. Ce qui est bien du coup, comme on a notre un petit point d'eau finalement, on peut camoufler de la glowstone. Parce que oui, là le bloc blanc que j'ai dans la main, c'est de la glowstone. Avec mon pack de texture, la glowstone elle est pas mal. Enfin, elle est blanche quoi. Et c'est vrai qu'avec le pack par défaut, elle est assez moche, donc vaut mieux la cacher. Voilà, donc j'ai fait un côté de la maison. C'est la même chose de l'autre côté finalement. À la différence qu'on peut mettre une piscine par exemple à la place du barbecue et du parasol. Voilà. Donc je sais pas si j'ai vraiment besoin de la montrer, la piscine elle est particulièrement simple. Pour le coup, comme vous le voyez, au niveau de la piscine, j'ai suivi le contour de la terrasse elle-même en mettant un trait de bloc comme ça entre la piscine et le bord de la terrasse finalement. Donc voilà, finalement, si j'avais voulu faire une piscine à ce niveau-là, je vais vous le faire vite fait. Du coup là, je refais pas l'autre côté parce que ça prendrait un peu de temps au niveau de la vidéo. Mais considérez que cette terrasse-là, c'est l'autre côté du coup maintenant. Hop. Et du coup, on va tout simplement creuser comme ça. Et à partir de ce moment-là, par exemple, on fait un bloc de 3 comme ça voilà, et on refait la même chose que ici. Hop. Voilà. Donc vous voyez, vous suivez la forme de la terrasse et vous faites quelque chose de symétrique, un peu ovaloïde, comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, en partant du haut de la terrasse, là comme ça, j'ai fait un trou qui est donc de 6 blocs ici. Puis après 2, 2. Un bloc de 1, un autre bloc de 1. Un bloc de 3. Et après la même chose, hein, de l'autre côté. Un bloc de 1, un bloc de 1. 2, 6, 2, 1, 1, 3, 2. Enfin, deux blocs de 1. Ben voilà, vous avez compris l'idée. Et après, on creuse, voilà, de 5 blocs de profondeur, par exemple, ou 4, ou 8, ou 9, ou tout ce que vous voulez. Et on fout de la flotte. Voilà, moi je vais mettre qu'un seul bloc de profondeur, mais évidemment vous pouvez faire beaucoup plus. Voilà.
Bon, bah voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il faut savoir pour faire cette maison. L'autre façade que j'ai pas montrée, je l'ai fait de la même manière que la façade d'ailleurs que j'ai mal faite d'ailleurs. Et j'ai oublié de mettre le bloc plein. Alors, voilà. Bloc plein comme ça. Hop. Et les escaliers à l'envers. Alors à l'envers si possible. Hop. Allez. Voilà. Ok, bah voilà. Voilà, du coup. On en a fini pour ce tutoriel. J'espère que ce petit concept de maison vous intéresse. N'hésitez pas à faire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus élaboré à votre sauce et me l'envoyer par mail ou par... sur plein de Minecraft, voilà, toutes ces choses-là, ça peut être vachement intéressant à exploiter en grande taille, voilà. Donc, avis aux amateurs. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.